amis téléspectateurs de Radio Télé-Charité, je dis que nous sommes très contents pour nous n'avoir pas à Sainte-Martha. Côté que nous avons aujourd'hui assez fête des mères et mères américaines, nous avons trois jeunes qui ont communié tout. Après, mais ça, nous avons une chance pour nous rencontrer avec une, deux personnes qui ont préparé les jeunes Zayo, et Miracienne Denis, avec Jetta Brice, pour entretien dans Radio Télé Solidarité. Qui veut que nous disions Miracienne et Jetta Brice, bonjour sur les antennes de la Radio Télé Solidarité. Alors, bonjour, Frère Vito. Bonjour. Qui veut que Miracienne, que nous avons commencé par vous-même, est-ce que vous dire nous, avec vous, combien de temps vous avez n'a pas passé cette matin? Et qui raison tout qui motive ou qui faut travailler avec les jeunes Et je dis à moi que c'est une grosse victoire quand même, que pour même regarder qu'il y a trois jeunes qui ont communié. Oui, mais j'ai 32 ans dans Paris Sainte-Martha. Et vraiment, c'est un bagage qui est émerveillé pour moi que nous, deux, trois jours, que nous gagnons des jeunes vraiment qui ont participé dans Sainte-Martha vibrement, vraiment. Vraiment, j'ai 32 ans dans Sainte-Martha, mais moi j'ai 4 petits moi-même. Premier petit monde, j'ai 28 ans. Je vais déjà avoir une chance pour petit monde, pour réellement jouer une chance pour communier, pour participer à la communauté haïtienne Sainte-Martha. So. Est-ce que vous parlez d'implication dans la parole depuis 32 ans? Implication, j'ai un peu l'implication parce que moi c'est un monde qui involve en pile comme on connaît. Moi j'étais allé dans le collège pastoral là Brooklyn, moi allé dans la pastoral formation dans Wattville Center et moi vraiment occupé dans la paroisse là. Moi c'est un ministère eucharistique, moi c'est un religious instructeur. Et moi je travaille avec Timounio, je travaille avec eux sur le point jeune social. Mais Kounia, nous travaillons avec eux la liturgie les dimanches. Donc so, c'est pas seulement nous deux, mais c'est nous six qui fait travail là, qui travaille bon, ensemble avec. Qui veut que j'étais que nous connaissons chez les collèges pastoraux. Lui est capable d'éduquer mon collège pastoral. Vraiment ce sont des multiplicateurs que nous y est, que nous capable féliciter nous. C'est ce que le Seigneur a gardé nous. Moi, que la prière m'a content. Qu'est-ce que j'étais sur qu'on parle nous un peu d'expérience ou n'a pas voir cette matin. Bon, moi-même, comme on connaît, je passe déjà dans le collège pastoral et puis c'est dans Sacré-Cœur moi t'ai parce que j'ai habité Walton, c'est là que mais là que déménager et puis moi vivre dans Loranland, soit n'a pas voir ça toujours depuis le commencement. Et puis, j'ai participé dans le choral pour un temps et puis le lecteur tout. Mais pour le moment, c'est avec Timonio qui travaille. So, travaille. Mais ça a duré combien de temps que tu n'as pas fait ça? Près de 10 ans à peu près. Bon, Miracienne, qu'est-ce que tu as dit de la communauté haïtienne qui n'a pas fait cette matin? Parce que, à ce qu'il paraît, c'est une communauté qui est très vivante. Oh. Notre communauté à Sainte-Martha, c'est très vivant. Vraiment, c'est une communauté qui est très vivante. Et nous avons un pile charisme la communauté Sainte-Martha. Et vraiment, nous lutter pour nous travailler ensemble, pour nous réellement vivre en communauté avec lien, en unité, pour nous réellement vivre l'amour que bon Dieu m'a donné. Bon, qui fait que 32 ans, c'est pas 32 jours. Vous avez plus que 10 ans, c'est plus ça? Plus que 10 ans. Plus que 10 ans depuis que vous n'avez pas ça. Mais que, et que j'aime que notre travail, que le groupe noir qui est un groupe noir relé. Ça qui est très important, vous nous dans un groupe là. Voilà, nous-mêmes, groupe jeune pour l'étudier, il relé simplement mustard seed. The mustard seed. C'est ça lié, parce que c'est l'étudier, c'est pas rien que nous avons fait pour nous. C'est vraiment ce gaspol là, nous avons essayé pour que nous puissions comprendre. Comme nous connaissons un peu les gens haïtiennes, nous n'avons pas parlé créole. Donc nous voulons que pour nous encourager, venir dans la messe là, que nous aider à comprendre le gospel là, between créole et anglais. Et c'est ça nous fait, nous séparer et puis nous expliquer le gospel là de façon que pour nous comprendre. Mais c'est avec quoi? Combien de gens nous avons travaillé? Oh, il varie. Il varie, ça dépend, parce que il y a 60 personnes qui viennent à l'église avec les parents, la communauté, il y a 100, il y a 80, et le numéro a vraiment varié. Mais réellement que Jean Péa dit que nous avons une paroisse en jeune. Ça sont pas un ministère particulier. Nous connaissons que parfois il y a des moments de découragement. Dans tout ministère, il y a des moments de découragement.
mais m'encourager nous vraiment vrai continuer ministère ça parce qu'il y a une compréhension que n'a pas tout ouais et parce que Jésus-Christ toujours dit nous tout le monde qui veut supplier que faut l'accepter pour quoi ouais que c'est sûr moi que parfois nous pour quoi mais ce qu'on va dire nous plus gros expérience au vivre dans pas ça et Mirachane pendant 32 ans puis gros expérience, expérience la foi, spiritualité, comment grandir moi-même personnellement, parce que à, pour commencer, je vais participer dans la communauté haïtienne, pas de gagner. Et yo vinn gen mes les soirs les samedis et vraiment et puis nous vinn kouni a gen mes chaque dimanche vraiment son m'baka commencer m'baka di ki expérience yo en pile mais spécialement la spiritualité que communauté a réellement aidé en pile au point de la prière support et comprendre ça li aidé en pile grandi moi vivre en pile expérience et ou même que qui pour l'expérience de vivre pendant 10 ans ça? Ah oui, moi j'ai vécu une belle expérience et comme moi j'ai participé dans le choral là, j'ai fait lecture tout dans l'église là et puis avec Simonio spécialement, là, nous descendons avec eux avant nous, déjà nous avons préparation nous fait pour eux et puis nous descendons avec eux, nous travaillons avec eux. Là où Simonio vraiment j'ai eu émerveillé, j'ai eu content et puis j'ai appris pour avec des questions, ça vraiment émerveillé. Qui veut que Mirachienne le dernier mot? Et le dernier mot, est-ce que le dernier mot avant que vous n'allez que pour public qui a des chances tout à l'heure et nous dit nous que nous allons faire tout effort nous pour nous que ça va se rajouter le soleil tout parce que rajouter le solidarité par vous contre nous dire il a rajouter le soleil avec lui que réellement nous avons même rajouter les assembleurs tout qui n'a pas monde qui là ensemble avec nous tout ouais. Qui veut que nous pas connaître qui si vous bon mot un dernier mot pour tout le monde qui va attendre. Alors pour tout le monde qui va attendre, spécialement les gens qui sont ici, nous demandons vraiment pour encourager les gens à parler créole, encourager les gens à parler langue, encourager les gens à participer à la communauté. Parce que vraiment, c'est avenue l'église là, comme nous dit, nous avons pile de gens vraiment qui refusent ou du moins qui ne parlent pas les créoles. Nous connaissons comment ça est difficile et travailler avec les gens et nous connaissons les jeunes, nous, c'est avenue, c'est eux qui ont remplacé nous demain. Nous demandons tout le monde, mettez main. Travail à Genio, pas décourager et prier pour nous qui travaillons à Genio pour nous patience et puis pour bon Dieu l'ouvrir et tête nous pour nous réellement l'esprit de compréhension pour nous qui travaillons en unité pour tout le monde nous qui a grandi. Et vous-même, il y a la brise de dernier mot? Dernier mot que je gagne, c'est juste même parce que je suis avec Sani Racine pour vraiment. Et encourager les jeunes à parler créole et puis nous même tous nous besoin de force la prière pour nous continuer de travailler. Qui fait que téléspectateurs de Radio Télésolidarité, de Radio Télésoleil, que gens que nous sommes capables de voir, que qui est fort que nous avons fait pour nous couvrir messieurs, pour nous passer dans la communauté. Et nous croyons que nous avons pile l'espoir, les naptes de Mirachel, les naptes de Jetta Bristou, qui a parlé, qu'il faut que nous avons fait, que beaucoup de bayou. Pour permettre Timounio de parler créole, pour aider Timounio à rester dans la culture haïtienne. Que je dis à que nous pensons que c'était vraiment une très belle messe et réellement trois jeunes communiés dans la messe. Que nous pensons que le pasteur haïtienne dans la langue allemande n'est pas capable de mourir malgré tout défi qu'il a gagné. Je dis à. C'était frère nous, amis nous, Bordeaux Top de Radio Télésolidarité et nous, le directeur technique Radio Télésolidarité avec nous, je dis à tout, M. René Léonard Luxembourg. Qui dit que il est prêt pour aller dans le ciel pour faire pour l'aller même si c'est une interview pour Radio Télé Solidarité. Encore une fois un grand merci.